Yo, donc on est mercredi combien 20. Ouais. Et là on est dans le train en route pour troisième étape qui devait être la deuxième, ouais, qui est passée en troisième. On a passé beaucoup de temps à Casa. Qu'on a logé à Casablanca. Oui, qu'on a vu beaucoup de monde à Casablanca. Donc là on fait une journée à Rabat. Après on revient à Casa et après on part pour Saïfi. Safi, mais juste avec la famille. Après, on va à Marrakech pour compléter notre voyage. Voilà. Et donc, il y a eu quelques petits changements de programme aussi par rapport à Marrakech et Saouira. Mais ça, on voit ça au jour le jour. Il y a pas mal d'imprévus, mais ouais, c'est voilà. Comme ça. Et donc là, c'est The Train. The Train. Bon, let's go. Voilà. Donc on est bien arrivé à Rabat et on est accueilli en grande pompe par Mister Hamza. Coucou. On parlera un peu plus avec toi tout à l'heure pour savoir un peu ce que tu fais et tout ça. Et donc là on fait une petite visite express de Rabat en voiture, accompagné par Mister Hamza. Et merci. Merci. Merci Lovis. C'est bien ça Lovis? Lovis. C'est un pseudo Lovis. Ouais, c'est un pseudo. Et bienvenue à la capitale du Maroc. Merci. Ça s'appelle comment? Hilton. Hilton? Hilton. C'est dans les hôtels? Regarde, c'est là où presque. Les personnes qui habitent à Rabat, ça les font du sport ici. C'est le Central Park de Rabat. Donc là on est toujours avec Lovis à Rabat et qui nous fait visiter un petit peu toute la ville. Et là il est en train de nous montrer un superbe monument. Et tu sais ce que c'est? Ouais, c'est, ça s'appelle, enfin on appelle ça Challa. Challa. Ouais. Challa. Ça veut rien dire mais je pense que c'est le nom de quelqu'un. Quoi. C'est son nom. Ça veut dire quoi Challa Lovis? C'est le nom, ça s'appelle Challa et c'est super joli. Et donc là il y a aussi des remparts là derrière. Ouais. Hamza, merci de nous accueillir à Rabat. Avec plaisir. Donc là, on est où exactement en fait? On est à côté de Loudaïa. De Loudaïa. Ah, vas-y, filme le chien. Filme le chien, il est beau. Et toi, en fait, tu fais quoi dans la vie? Je fais un master en stratégie d'entreprise. Ouais. Je suis en 4e année, je passe en 5e année. D'accord. Ah, c'est bien. Et à côté de ça, tu fais de temps en temps des vidéos aussi sur internet? Ouais, sur YouTube, c'est sur ma chaîne. Des vidéos de ce que je fais chaque jour et tout. D'accord, ce qui m'intéresse. Ce qui t'intéresse. Là, tu avais parlé de Locan, justement. Ouais, ouais. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus. Bien sûr. Ça fait plaisir. Ouais, carrément. Comme quoi hein. On a trop de plongée ici. Non. Ah, tu veux plonger, c'est. Vas-y, tu c'est veux. C'est maintenant ou jamais. Allez, vas-y, il nous manque une vidéo un peu sympa. Ah, vas-y. T'es sérieux, je plonge? Non. Viens voir, il y a des poissons, David. Ah, il y a des poissons? Ouais. Tu les vois là? Ah ouais, c'est là. Et quand je suis venu, ils étaient plus nombreux, mais je les voyais nettement mieux. T'es en train de filmer? Arrête de toucher. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Des deux. Et pourquoi tu me filmes? Vers la tour Hassan.
truc qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure. La tour. On dit la tour, la mosquée, la tour. Pourquoi tu me filmes? Pourquoi tu me filmes? Parce que je voulais avoir la discussion sur les blogs. Non. Pourquoi tu lui dis de créer un blog? Bah parce qu'il adore la photographie. Parce que quand on crée un blog, on est passionné. Voilà. Il faut avoir envie de le faire. Bah je pense qu'il a envie de le faire. Faut pas parler à sa place. C'est ça. Non mais je lui donne des conseils, je lui dis vas-y lance-toi. Je le pousse à le faire, je le motive. Moi je voulais. Toi t'as envie de créer un blog? Ouais, ouais. Bientôt, je vais. J'y pense. Tu vas vidéos. Ah j'adore, j'adore faire les vidéos, j'adore la photo. L'audiovisuel, c'est tout ça. Voilà. Maintenant tu fermes ton clapet. Mister D. Ok. Donc là on est exactement au tombeau qui s'appelle La Tour Hassan. Et donc là il y a les tombeaux de Hassan II. Du père de Hassan II, du grand-père de Mohamed VI, Mohamed V. D'accord. Mohamed V. Et c'est juste magnifique. Nous sommes réunis, D-Word, les jumeaux du web, et Lovis en est le témoin. N'est-ce pas Lovis? Exactement. On pourrait dire je les ai vus ensemble. Je les ai vus ensemble. Ouais. Tu fais quoi? Tu me filmes? Tu me filmes encore? Mais oui. Mais t'es con! Arrête de faire des commentaires de merde, c'est ça? Tiens, sport. Non, mais je te dis de pas filmer, faut me prévenir. Faut j'envoie une dérogation. Mesdames, messieurs, David est un con. C'est sympa. Bonne ambiance, hein? Je te jure, deux claques, deux fois. T'écoutes un peu du rap marocain? Ouais, ça va. Ouais, j'écoute Hatim de HKM. T'as déjà écouté la chanson à la marocaine? Je dois écouter à la marocaine et ça c'est normal. Ouais, ça c'est vraiment, franchement c'est top. C'est des chansons qui sont là. Ah ouais, c'est grave. Surtout ça c'est normal. Ça c'est normal et à la marocaine, j'ai trop kiffé avec la chanson. Rabat, tu disais, c'est un peu le pari. Voilà, le pari à la marocaine. À la marocaine, c'est un peu cher. Ah oui, c'est un peu cher. C'est genre où il y a des sièges, des entreprises et tout. C'est normal. Ils essayent de faire beaucoup de projets, de créer d'autres trucs, d'autres trucs sympas, tu vois, mais en contrepartie, les prix augmentent. C'est comme à l'étranger quoi. On te met plusieurs centres commerciaux, plusieurs trucs sympas pour essayer de changer d'air et tout. Donc c'est automatiquement ils augmentent les prix. Maintenant Rabat, c'est une des villes marocaines les plus chères. Côté habitat, pour acheter des maisons, pour trouver du travail, c'est un peu plus difficile qu'à Casa, parce que Casa c'est surtout beaucoup d'entreprises, c'est du commerce. Rabat c'est Rabat, c'est un petit coin où il y a que tu dois être pistonné par exemple pour trouver du travail ou bien tu dois payer pour trouver du travail. Mais c'est bon, c'est sympa, c'est plus propre, plus ouais, compact. Rabat c'est plus compact, tu peux vite fait te repérer. Quoi. Contrairement à Casa qui est encore plus grand, c'est difficile. J'ai une dernière question Hamza, question que je pose à tout le monde, c'est quoi ton mot préféré qui commence par la lettre D? Démocratie. Démocratie. Hop, petite pause déjeuner dans un endroit, je sais pas si ça doit vous rappeler quelque chose vaguement. Hein? Sunday. Donc ouais. Histoire de se rassasier, c'était bien sympa. Ouais. Petite ouais. Cheeseburger made in America. Ouais. Moi je dis ça vaut bien les autres cheeseburgers. C'est pas c'est bon. Ouais. 8 sur 10. Je dis pareil, c'était bon.
C'est meilleur que Wendy? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Wendy, la pute à couette, la fameuse pute à couette, reste quand même number one. La prostituée mais, à couette. Non, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait, bon, ça fait un peu penser au Quick and Toast de Quick. Oui, oui, oui. Pas celui qu'on a mangé l'autre jour, au Mégarma. Tu l'as pas filmé, je pense. Non, effectivement. Ah, là, c'était un vrai Quick. Non, mais c'était un vrai Quick, donc ça valait pas le coup. Bah, si. Ouais, non, c'était un vrai Quick, donc ça change pas de la France. Hein. Voilà, c'était bon. Merci, Amga. Ciao. Et dword.fr. Et point MA. Et point MA, bien sûr. Tu fais dodo. Tu fais dodo. On est où là? On est jeune. Ça va? Ouais, je suis. Donc là, on est à la gare de Rabat, on repart. Hamza Lovis vient de nous déposer. On a passé une super journée avec Hamza. Vas-y, filme le train. C'était cool. Le train part. Je sais pas pourquoi, il veut absolument que je filme le train qui part, qui n'est pas du tout le nôtre. Mais bon. Bon alors là, faut qu'on se presse de rentrer à Casablanca parce qu'il faut que j'aille aux toilettes, moi. Voilà, c'était la petite note poétique de la journée et on conclut là-dessus. Oh putain. J'ai failli faire une D-word sur la fin.